Lovers. Aujourd'hui, je vous donne des petites astuces pour savoir comment choisir un vin sans sortir de chez vous. Pour ça, c'est très simple, vous avez besoin de 2-3 choses. Un téléphone, un ordinateur, et pour les bigleux comme moi, une paire de lunettes. Bon, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Entre la Revue des Vins de France, Le Point, le Guide des Cavistes... Oh bon, on va bien trouver une idée, hein. Il faut savoir que dans les magazines, les brochures, les guides de vin, il y a énormément d'informations et les sujets sont souvent très détaillés, très approfondis. Ils peuvent être destinés en particulier aux personnes qui ont déjà une connaissance en matière de vin. Ça nécessite quand même de faire une démarche et d'acheter ces magazines. Pour vous en citer quelques-uns que j'aime bien, il y a par exemple la Revue des Vins de France, Terre de Vin, ou même le Guide Hachette. Ou alors, lors de leurs éditions spéciales, Le Point ou le Figaro Vin. Coucou ma belle, ouais je cherche à boire du vin pour ce soir, tranquille. Avec qui je serai toute seule? Qu'est-ce que je mange avec? Je sais pas. Alors du fromage, du vin blanc, du poisson, du vin blanc, d'accord, de la viande, du vin rouge, et du pop-corn. D'accord, bon bah je me débrouillerai, merci. En ce qui concerne les proches, les amis, la famille, ils sont souvent mieux placés pour déguster que pour conseiller. À moins que ce soit de vrais sommeliers ou de grands consommateurs de vin. L'avantage, c'est qu'ils sont très souvent disponibles et qu'ils vous conseilleront toujours un vin qu'ils auront eux-mêmes dégusté et apprécié. Par contre, c'est très subjectif. Un vin qui leur a beaucoup plu peut ne pas vous plaire du tout. On va essayer avec les applications. Ah bah dis donc, il y en a beaucoup. Bah laquelle choisir? Ce sera toi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe de plus en plus d'applications qui permettent de choisir son vin sur son téléphone. C'est pratique, on l'a toujours dans la poche. C'est ludique, c'est sympa et c'est super tendance. Par contre, ces applications peuvent avoir une base de données limitée, elles ne sont pas personnalisées et les vins proposés n'ont pas toujours été testés. Certaines d'entre elles se basent sur des algorithmes pour vous proposer des vins qui correspondent à vos goûts. Rien ne vaut la dégustation et il vaut mieux trouver une application qui correspond à ce que vous cherchez. J'ai testé pour vous quelques applications sympas qui sont en français et gratuites. Il y a par exemple Vivino ou Tagawine qui vous permettent de scanner une étiquette pour avoir des informations sur le vin et des idées d'accord mes vins. Il y a une autre application sympa qui s'appelle Un mets, un vin, comme son nom l'indique, qui permet de donner des indications d'association mes vins. Bon allez, on va bien trouver ça sur internet. Et un site, un blogueur, un caviste en ligne, oh bon, je vais trouver. C'est clair, on trouve de tout sur internet. Il faut savoir maintenant qu'il existe différents types de sites pour trouver des informations sur les vins. Il y a les blogueurs, par exemple, la Winista, la Pinardothèque, ou même My Little Big Wine, qui en fait partie. En général, ce sont des particuliers, des personnes indépendantes, qui veulent juste vous faire partager leurs découvertes et leurs connaissances. Mais il y a aussi des sites de vente en ligne. On appelle ça tout simplement des cavistes en ligne. Il y a par exemple Minesima, Lavinia, Wine & Co. On peut aussi avoir des ventes privées ou même des enchères du vin avec Ideal Wine. Pour faire un mix entre les sites de vente en ligne et les blogueurs, il y a ce qu'on appelle des plateformes communautaires où les communautés et les vendeurs se retrouvent. Il y a par exemple les grappes. Pour ceux qui sont curieux et qui aiment se laisser surprendre, il y a les sites d'abonnement de box en ligne. Vous pouvez vous abonner pour une durée déterminée, pour un nombre de bouteilles déterminé, pour recevoir des bouteilles tous les mois. J'ai eu un petit coup de cœur pour une box de vin au féminin qui s'appelle les décanteuses. Ah, d'ailleurs, le voilà. Pour conclure, peu importe comment vous le trouvez, l'important, c'est de l'aimer. C'est comme les hommes. J'espère que toutes ces petites astuces vous auront aidé à trouver un vin qui vous plaît. Retrouvez-en toujours plus sur le site et sur la chaîne My Little Big Wine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bonne dégustation! Coucou papa! Bon, je voudrais boire un bon petit vin ce soir, t'aurais des conseils? De la bière? Du garage? Non merci, ça ira pour cette fois papa! Au revoir!